Bonjour à tous et à toutes, je suis Rélus et bienvenue pour la possible fin de Nox, ce hack and slash RPG des années 2000 de Westwood, qui est drôle, qui est fun, qui nous amène dans son dernier donjon, dans le dernier endroit, pour battre Ekuba. Après avoir récupéré les 4 artefacts, enfin plus les 3 artefacts, à savoir la hallebarde de Randus, la créature des profondeurs, la créature des arcanes, et le cœur de Nox, nous voici donc avec une arme assez pétée et incassable, prêt à aller battre Ekuba. Nous avons dû, pour contourner l'attention de celle-ci, passer par des chemins un petit peu escarpés, caverneux, et voir des marais. Mais nous y sommes, à la fin. C'est officiellement la dernière quête de notre journal. Récupérer le globe pour compléter le fauchard de l'oubli, qui est l'arme que je détiens. Mais pour cela, nous devons battre Ekuba. Sommes-nous prêts? Suis-je prêt? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que je suis bientôt au niveau max de mon personnage. Si j'arrive à remettre les stats. Bientôt niveau 10, dans quand même un petit 9000 d'expérience qui devrait arriver assez rapidement. J'y crois. Je suis équipé d'une hallebarde et d'une lame d'araignée venimeuse de choc. Non, juste de l'araignée. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que vous y croyez? Moi, j'ai envie de voir. Ah là là, je sens que cette dernière partie va être compliquée. Ça commence déjà très très mal. Je vois les trous. Je les vois. Je vois un ennemi. Voilà, ce petit diablotin. Un coffre qui est juste là, mais... Ah, je vois les plaques de pression. Je l'ai esquivé tellement fort. Là, il y a des trous. Je vais essayer de ne pas me faire avoir quand même. Les diablotins ne sont pas très très puissants. Je vais... Ouais, j'aimerais éviter de tomber. Bon, ces diablotins sont un peu nuls. Et en plus, ils visent mal. Une épée titane de feu et de force. Oh, extraordinaire en plus. Ah, 37. Je me disais 60. C'est un peu de la merde ton truc. J'y vais en douceur. Qu'est-ce que c'est que ça? Shuriken de flamme. Pourquoi pas? J'esquive tous les pièges. Ah, je me suis pris quand même des trucs. En même temps, je marche sur les plaques de pression. Tranquille. En douceur. En douceur. Aïe. Là, je suis obligé de tomber. C'est une énorme plague. Quoique si je me colle au mur, non. Ouais, c'est bon, je suis passé. Alors que je ne devrais pas, semble-t-il. Ah, grande salle. Par contre, ça me fait peur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Shuriken de flamme de collision. D'accord. Une porte ici. Un endroit que je dois débloquer. Et, semble-t-il, une autre porte juste là. Ah, droite ou gauche? Mon électorat, je pense, ne sera pas contre si je vais à droite. Ah, là déjà, c'est un petit peu plus complexe. Là déjà, on rentre dans le dur. On rentre dans la partie difficile du jeu, là. Je pense que ça ne sert plus à rien. Ça, c'est un piège. Ça, c'est complètement un piège. C'est complètement un piège. Regardez ça. Je suis un génie. Est-ce que ça a cassé les... Ça n'a pas cassé les pics. Je dois réfléchir. Super barrage de guerre en or de collision et de la sangsue. Oh oh.
54 de dégâts. Ah, c'est pas mal. Impact 1 et vampirisme 3. Ah, ça se rapproche de mon arme. Ça se rapproche de mon arme. Même si... Ouais, non, ça se rapproche pas du tout de mon arme. Alors, que dois-je faire? Que dois-je faire? Ouais, bon. C'était sûr, en fait. C'était sûr. Je ne voyais pas comment je pouvais esquiver ça. Heureusement que j'ai un tout petit peu de regen. Oh là là, oh là là. Je suis tombé. Cours pour ta vie. Horrible, horrible ce qui vient d'arriver. Mais me suivez pas, bordel. Oh non, mais c'est... Sérieusement, vraiment, ce qui se passe là, c'est sérieux dans... Oui, là, il y a un chemin. Mais arrête de tomber. Arrête de tomber. Il se passe des choses dans ma vie, au secours. Mais arrête de tomber, ça me... Je vais mourir, je vais décéder. Au secours. Voilà. Mais non, mais quoi, mais... Mais vraiment, est-ce que je vais mourir maintenant? Est-ce que je vais vraiment décéder ici, maintenant, dans cet endroit, à 4 mètres de la fin? Voilà. Ah, un levier. Ok, je suis à moitié mort. Qu'importe, écoutez, il y a une potion qui m'attend là-haut. J'ai le temps, je vais la récupérer. En évitant de me faire écraser. Ce serait une bonne chose. C'était pas là. Essayons de l'autre côté. Ah, j'entends des bruits. Oh, c'est la même. Si c'est la même épreuve, je gueule. Ça a pas l'air. Ça a pas l'air. Il est où le piège? Il y a un piège, forcément. Il y a un piège quelque part, c'est obligatoire. Il va arriver dans très peu de temps, voilà. Le piège. 150 d'XP? Eh, c'est pas mal ça. C'est vraiment pas mal. Oh, ça va être à plusieurs niveaux. J'aime vraiment, vraiment pas ça. Oh la vache, et là il y en a plusieurs. Je me dépêche. Ça va. Ça, ça va. Pour le moment, ça se passe. Rien dans la salle. Rien dans la salle. Si, un petit coffre. Petite potion, toujours utile. Premier levier. Ah. Quelque chose va arriver. Chose va arriver, j'ai entendu un bruit. Oh yes. Alors, attendez. Voilà. Faut que j'arrête d'avoir mes touches sur la sauvegarde. Je le savais. Je le savais, je l'ai pré-shoté. Oh puis là oui. Oh puis là oui. Ah oh, évidemment. Oh et là ça va être l'enfer. Oh là ça va être l'enfer du labyrinthe. En douceur. En douce. J'ai pas touché à l'enfer du labyrinthe. Là je suis obligé de me la prendre. Complètement. Un escalier. C'est ok. Un premier escalier ici, je vous retiens. Les portes, qu'est-ce que ça va m'amener? Là il y a une première porte. Beaucoup de sauvegardes. Une clé, très bien. Une autre clé, ok. Oh, c'était dangereux ça. C'est dangereux et pas facile. Ah, un cercle de téléportation. Yes. Il est actif. Ah, super. Je vais l'attendre. Je bouge pas. C'est faux.
C'est faux. Et... ah, c'est vrai que c'est saleté. Me stun si je ne fais rien. Petit coffre. Shuriken, encore. Ok, mais je ne vois toujours pas où est le magicien. Pas de mur invisible. Y a rien ici. C'est pas possible. C'est pas possible. Y a forcément un truc. Ok, d'accord. Ok, j'ai compris. Ça va être particulièrement énervant pour l'avoir, lui. Oh que ça va être énervant. Oh que ça va être très très énervant tout ça. J'aimerais éviter de me perdre, s'il vous plaît, monsieur. Arrêtez de toucher à la téléportation. Oh, c'est l'enfer, ça. L'enfer de la téléportation. Et ça, c'est un cul-de-sac. Ok. Il y a un ordre à prendre. Donc, à gauche. Un coffre. Là, il y a un coffre. Ah, ça, c'est utile. Très utile, ça. Oh là là, j'étais sur le point de le battre. Il m'a poussé. Si je prends au milieu, j'atterris là. Au secours. C'est complètement un piège. Il y a un mur. Oh non. Sérieux? Oh, merci de me le montrer. Merci pour ce petit passage secret. J'ai flippé. Hop là, la suite. Peut-être pas la suite. Bon, mauvais chemin. Ah, oui. Ah ah. Oh, il y a des passages secrets de partout. Faut fouiller tous les murs. Ce passage-là m'emmène ici. Donc ça veut dire... attendez, je pense avoir trouvé le bon chemin. Là, ce chemin, je sais qu'il y a un mur là. Ok. Faut que je fasse vite, faut que je trouve le bon chemin. C'est pas le bon chemin. Très bien. Ça, c'est un labyrinthe. Il y a une zone que j'ai oubliée, quelque part. Un mur. À un moment. Ah là, ça va être amusant. Là, y a rien. Là, y a rien. Là. Faudrait que je retourne d'où j'étais. Ah, là, y a quelque chose. Quelque part. Y a vraiment rien là? Compliqué, compliqué. Non, ça c'est un cul-de-sac. Ok.
Et là, rien du tout. Je suis pas venu ici. Ah ah! Si. Ouais, c'était long. Ouais, que c'était long. Beaucoup d'énigmes. Beaucoup, beaucoup d'énigmes. Donc ça libère la porte là. Ah ah, ok. Là, j'ai activé un premier truc qui doit être là-bas. Ouais, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Je le sens. C'est beaucoup d'énigmes. Et donc, la deuxième clé, c'est en bas. Ça va le faire. Oh! Ou alors ça, ça a l'air cool. 108 d'armure, protection contre le feu 2 et hâte niveau 1. Pas mal. Qu'est-ce que j'ai au pied moi déjà? J'ai ça. Protection contre le poison 4, mais 22 d'armure. Ah non, mais c'est le brassard, moi il me faut des bottes. Voilà. Ah, 108, ouais non. Hop. Oh là là, je suis tellement speed maintenant. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh! Et puis un demain en titane de collision et de braise. Ouh! Ouh! 82! Mais c'est beaucoup trop! Ah, mais il n'y a pas à chier, c'est. Ah, pas que niveau 1, feu niveau 1. Alors là, alors là, même pas en rêve. Attends, hop là. Ah, V, voilà. Ah mais même pas en rêve, alors là, ça va la gueule de l'épée. Ouais, par contre, un bon 3 quarts. Un bon 3 quarts de d'attente. Ça pue le combat, ça pue le combat. Ouais, oh oui. Vous pariez combien? Au moment où je vais ouvrir ça, ça va être là, ça va être la merde. Je me suis fait défoncer. Tu as été incapable de reconquérir le globe. Ton échec anéantit le dernier espoir de Nox. Et tu es mort avec cet espoir. Aïe! Mais aïe! Eh! Eh! Ok. Faut que je trouve un moyen. Oups. Merde, c'était pas ce que je voulais faire. Non, c'est bon, j'ai compris. Non, tu m'auras pas. Oh, mais il m'a défoncé. Ok, alors j'ai une autre idée. Vous allez voir, idée de jean. Voilà, il m'attaque, hop là, je prends. Je peux pas. Oh non. Oh, que ça va être énervant. Oh, alors ça va être énervant. Vous le sentez venir ce qui va arriver. Vous le sentez venir. Ça va être bourrinage. Voilà. Ça va être ça pendant tout le combat. J'espère que vous allez apprécier. Je ne vois pas comment je peux faire autrement. En plus, j'esquive un de ses coups. Donc, c'est tout bénef. Vraiment gros combat, hein. Droite gauche. Oh attendez. Oh c'est nul. Ah. Ah bah voilà. Ah bah. Et bah voilà. C'est. Oh. Marteau de guerre de l'ascension. Eh ben, je prends tout ton équipement et puis je vais voir ce que ça donne. Oh là là, mais ça défonce. Attendez, ça défonce ça. 104, 108, non, c'est nul.
Protection contre le feu, protection contre le feu. Mais je m'en fous en fait. J'ai déjà un truc contre le feu, c'est ça. Protection contre le feu niveau 2. Ouais, et ben c'est juste du bordel. Je vais juste voir en fonction de mes équipements. Ouais, puis ça c'est un peu moins important. Ah, quoique ça je peux le mettre. Ça je vais le mettre. Et qu'est-ce que j'ai en brassard? Je crois en brassard, la valeur 52, c'est ça. Ouais, brassard 22. Ah, mais j'ai une protection contre le poison. Allez, tant pis. Je perds ma protection contre le poison. Mais je gagne de la défense. À combien je suis en poids? Ah, je vais devoir me libérer de pas mal de trucs. Et ça, c'est quoi? 131. Mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi, putain. N'importe quoi. Alors ça, par contre, je pense que si je la mets... Oh ah ouais, par contre, c'est un. C'est littéralement un tour complet. Remets la barre en douce, s'il te plaît. Voilà. Bon, bah, combat de boss, je dirais pas compliqué, mais un peu technique. Je récupère la clé et du stuff. Du coup, si je vais tout là-bas... Voilà, excuse. Et que j'ouvre ici. Voilà, petite énigme. Je pousse. Voilà, j'ai débloqué un truc. Bah, j'ai débloqué la suite. Ouais, ouais. Et le... Il est où le piège? Ah ah! Qu'est-ce que c'est? Chakram. Qu'est-ce que c'est que ça? Un anneau tranchant que les guerriers peuvent lancer. Reviens tous. Ouais. Ah oui, il revient vachement tout seul. Hein. What the fuck? Attendez, il est parti faire un tour. Oh. Oh, ok, ici je me déplace juste un petit. Ok. Alors, pourquoi pas? Mais... Non. Non. Non, je ne suis pas convaincu par cette arme. Pas du tout. Et en fait, en bas, il y a un coffre. Les gars, je sais pas si vous avez vu, mais j'aimerais bien accéder à ce coffre. Est-ce que je peux y accéder maintenant? Non, je vais me faire foutre. Je vais me faire foutre. Je peux pas. Ok. Bon, il y a un truc que j'ai pas bien compris. Non? Non. J'ai un peu trop de bordel. Je vais vendre au marchand et je reviens pour la suite de ce donjon. Oh la incroyable transition. J'ai tout vendu. J'ai réparé tout le bordel. On est parti pour la suite. Deuxième étage. Ok, j'analyse. Une salle, un levier. Je le savais. Bon, la difficulté inexistante. Tiens, je vais tester ma nouvelle arme. Eh. Oh bah. Excuse-moi. Meurs. Ah, c'est mort. Bon, c'est marrant 5 secondes, mais sans plus. Ça est détruit. Ok. Voilà. Il y a un magicien. Ah, j'ai visé à côté, je suis une énorme tranche. Oh bah, c'est marrant ça. Bon bah, j'ai gagné, je crois. C'était juste une petite salle du défi comme as. Ouais, on va enchaîner les combats. On va enchaîner les combats très très bien. Deuxième salle, petit coffre. Antidote, toujours utile. Soin, vraiment utile. Ouais, du coup, je peux me permettre. Ouais.
Ah. Ah. Alors là, par contre. Alors là, par contre. Un peu trop d'informations, mesdames, messieurs. Oula, beaucoup trop d'informations. Beaucoup. Oulala. Beaucoup trop d'informations. Un petit peu trop d'informations, mesdames, messieurs. Calmez-vous. Un petit peu trop d'infos là. Ouais. Beaucoup trop d'infos. Là. Voilà. Là, il y en a moins. Là, je sais qu'il y en a. Voilà. Un petit peu trop d'infos là. Oula. Wouhou. Salut les mecs. Oula. Alors ça. Oh oh. Ok. Oh oh. Ok. Il y a un chemin juste en bas. Petite souris. Oh. Alors ça, je sais où ça mène. Ça, je sais complètement où ça mène. Gagné. Je vais juste, voilà, vérifier que... Oh, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Ça libère de l'énergie, semble-t-il. Alors, je sais pas où je vais, écoutez. Semblera-t-il que je peux recharger quelque chose avec tout ça. Je ne sais pas quoi. J'aime le risque, hein. Ne vous en faites pas. Tout cela est calculé. Parfait. Excusez-moi, je m'en vais. Vous m'avez pas vu, hein. Il est sur moi. Ça c'est un piège. Oh saleté. Il m'a fait peur. Je l'ai vu 14 fois. Je l'ai vu 14 fois ce mob. Du coup je vais me venger avec sa propre arme. Tiens, tu sais quoi? Ah, raté. Vas-y, viens. Hop là. 90. Ouais, c'est compliqué son truc. C'est très très compliqué finalement. Je vais changer de technique. Oui, je m'en suis pris une. J'avais pas assez, t'es sérieux là? Pas assez concentré? Vraiment? Genre... zéro blague là? Pas assez concentré? J'aime le risque. Sérieusement. Et comment tu veux? Moi je veux le battre ce mec. Bon, on va faire autrement. On va tout casser. Je crois que je vais tout casser en effet, comme l'a dit un grand homme. Et je me suis fait besonzon. On va peut-être faire le fou. Lui il est complètement bloqué. De l'autre côté il n'y a rien. Là il y a des diablotins. Petit diablotin de ses morts. Et là il y a des caisses. Mais moi je veux bien. Mais ça sert à rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah. Non mais y a un truc là. Ah. Y a un truc. Une porte, un mur, quelque part. Non. À moins que. Attendez, est-ce qu'il n'y aurait pas une porte? Quelque part, il n'y a pas une porte cachée?
pas le moment où je vais rester bloqué quand même. Ce serait honteux. Pas maintenant. Alors si, je crois que c'est le moment. C'est le moment où je vais bloquer. Je réfléchis à une méthode. Bon, et je crois qu'il y a... Ok. Y'a rien. Y'a rien du tout. Qu'est-ce que je fais? Oh, sérieusement? C'est tout? Attendez, c'est vraiment tout là? C'est juste ça? Je suis teubé. Ouais, ça c'est l'exemple parfait de être teubé. Ouais. Alors, il y a un truc à faire. Ok, il y a sans doute un truc de rapidité. Non. À moins que... Ouais, si, il y a quelque chose là. Hop là. Ça dégage, ça dégage. Oh là là, mais quelle saleté! Arrêtez de me faire chier! Je sais pas ce que c'est, mais je le prends! Il y a un truc. Là, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose. D'accord, ok, je l'ai. Putain, c'est vraiment une énigme. C'est vraiment une énigme un peu chiante, ça. Et du coup, si je vais là, d'accord, ok, et par là, ça bouge le trou. Très bien, on va éviter de faire ça. Et on va continuer dans ce sens-là, en évitant les pièges, plus ou moins facilement. Ah, l'énigme, là, était un petit peu tendue. Tendax du cul, ça. Ah, là, il y a des flammes. Là, il y a des flammes. Alors, des flammes, un boss... littéralement. Donc je vais faire une vraie save sur celle-ci. Voilà, et je vais combattre. C'est parti. Oh, un chakram, mais je peux pas l'équiper. Je peux pas l'équiper. Aïe. Oui. Mal. Maman, bobo. 100 de dégâts, ok. Si je mets ma super arme, je fais rien du tout. Je ne fais absolument rien du tout. Je vais équiper mon chakram du coup. Chakram de flamme, hein. Il faut juste que je sois assez loin pour l'équiper. Voilà. Et du coup, si je lance. Ok. Ok. Oh. Ok. Ouais. Ok, ouais, alors c'est utile, mais peu de dégâts, hein, si je peux me permettre. Ouais, en douceur. Je rêve où j'ai pas du tout bien visé. Il est où? Il est pas revenu. Il était tellement pas revenu. Merci. Voilà, c'est ça que je veux. Ah mais en fait quand tu l'as plus. C'est un peu de la merde cette arme. Merci. Qu'est-ce que c'était de la merde. Et y a rien de droppable là-dessus. Oh là là. Oh, intéressant. Et là, il y a encore une énigme. Ou c'est juste des coffres. C'est bon, là tu m'auras pas. Là tu m'auras pas, j'ai compris l'astuce. Merci. Ah, raté.
C'est vrai qu'il faut légèrement décaler. Et là, je vais ouvrir quelque chose. Ah ah, petit secret. Oh, les gars, cassez-vous. Sa tête chercheuse en plus, ces machins. Alors, il est bien ce chakra, mais oh, c'est un labyrinthe de ses morts. C'est un labyrinthe de ses morts. C'est complètement un labyrinthe de ses morts. J'espère que la récompense vaut le coup. Extraordinaire cuirasse en titane. Ouais, mais sauf que ça me donne un max d'armure. Ça va 270, c'est vrai. Sauf que cuirasse, moi j'en ai une qui est là, qui me protège de l'électricité. Ouais, puis elle est moins puissante en plus. Ok, bah j'ai gagné une cuirasse. Trop bien. Il y en a encore un. Je l'entends. Je l'entends. Il est où? Il est là. Ah bah, sa tête chercheuse. Ok. Alors sa tête chercheuse, c'est pratique. C'est très très pratique. Et un coffre. Petite potion, toujours utile. Putain, c'est un bordel ce niveau là. Il y a un feu. Spoiler, le feu ne brûle pas. Aïe. J'ai gagné quoi? J'ai gagné un truc. Ah, une clé. Une clé, ok. C'était ma... Qu'est-ce que c'est que ça? Le jeu me donne des trucs, mais il est au courant que je... Potentiellement, là, je peux pas ressortir. Il est au courant, là. Ah, puis je suis bientôt à 2008 de pouvoir récupérer le chakram. Là, voilà une arme qui est utile. Donc là, j'ai une clé. Très bien. Cette clé, je l'espère, me servira de ce coin-ci. Je l'espère. J'ai pas vu mon total d'XP encore. Allez, je peux passer au niveau supérieur là. Franchement, il y a moyen. Il y a tellement moyen. Surtout avec une arme pareille. Et ces petits ennemis. Oh, elle est coincée là-bas. Elle est coincée là-bas. Elle est coincée là-bas. Fais chier. Il est où? Il est là. Alors c'est bien cette arme, mais un petit peu compliqué à manier. Ok. Ah. Golem mécanique. Modifié par les nécromanciens, le golem de pierre. Du golem de pierre sont plus puissants et plus rapides que leurs homologues naturels. Ok. Enfin, c'est ce que j'ai combattu. C'est ce que j'ai combattu. Combattu. Le combat. Ouais. Je vais mourir. Ouais, mon chakram. Je vais mourir. Si je le perds, mais je suis dans une merde. Il est où? Putain. Il est où avant que je meure? Il est où? Oh, je l'ai perdu. Oh non, tout n'est pas ça. Mais tout n'est pas ça. Il est où? Horrible. Horrible, il a perdu une arme cool. Oh non. Oh non, mais... Ah, il est là. C'est bon, je l'ai retrouvé. J'ai failli m'énerver. J'ai failli m'énerver. Alors par contre, oui, mais pas tout de suite.
Une porte. Une porte. Une grosse porte. Aïe. Une autre clé. Sérieux? Et où? J'ai récupéré quoi? J'ai pas vu. Une deuxième clé. Ok. Bah, j'ai encore gagné des clés. Je sais toujours pas à quoi ça sert. Hein. Salut. Voilà. Où la porte? Voilà. Là, on va être bien dans une petite salle. Aïe, mauvaise touche. Level up. Regardez ça, c'est magnifique. C'est le niveau 10. Bah voilà, j'ai tué Stavogre. Et je m'en vais récupérer des potions. Bien. Bien, bien, bien. Bah écoutez, j'ai les clés. Je ne sais toujours pas à quoi elles servent. Meurs. Meurs. Je vous ai vu. Meurs, je t'ai vu. Là, il y a toujours les flammes. Je sais pas à quoi ça sert. Oh! Quoi? Il y a des TP. Oh, sérieusement? Je l'ai entendu, les gars. Je l'ai vu. Alors, attendez, il y a un endroit là, je le vois sur mon plan. Voilà, il y a ça. Et je voulais aller à droite avant de me faire attaquer. Alors, j'ai deux clés. Très bien. Mais à part ça, je peux brûler dans le feu. Bon. J'ai deux clés, mais qu'est-ce que ça m'avance? Ça va me servir pour quelque chose? C'est pour la porte. Oui. C'était complètement pour la porte. Et là, il y a un truc. Écoutez, je vais faire une petite pause. Et puis, on se retrouve dans quelques secondes pour la suite de l'épisode 10. A tout de suite. Incroyable pause qui n'a pas duré tant de temps que ça. Juste le temps d'aller boire un coup. Hydratez-vous, c'est important. Ah. Ah. Alors ça, voilà. On est là-dessus. Ok. Ça peut pas le toucher. Ah, ok, je suis pas le seul. Ça, voyez-vous, ça va être particulièrement énervant. Ah, oh oui. Oh, que ça va être énervant, tout ça. Ça, c'est un bouclier. Anti-choc. Aïe. Aïe. Oh, que c'est énervant. Ça, ah, un levier. Un levier qui va faire un truc que je vais détester. Ça a bougé un truc. Je sais pas ce que ça a bougé. Non, non. Coucher, coucher. Ah, c'est une zone. Ok, c'est une zone safe, dirons-nous. Oh, ouais, je me suis fait mourir. Au secours. En douceur, en douceur. Mais, ah, petit coffre, potion, toujours est-il. Oh, mais non, mais dégage. Meurs. Normalement, un autre levier. Non, pas d'autre levier. Du coup, au milieu, y a rien. Il y a R, en fait. Il y a R. Bon, bah, niveau suivant. Hop, là, on monte. Petite save. Étage 2 techniquement, mais 3ème niveau. Vu que je compte le rez-de-chaussée comme un niveau. Qu'est-ce que... Oh, oh, mais oui, mais bien, mais oui, mais bien sûr. Oui. Allez, là, qu'est-ce qui va m'arriver? Grosse salle, porte à droite, porte à gauche. J'en ai vu un. Oh, encore. C'est mort, je le combats pas. Quoi? J'ai rien. Oh, attends. Il peut pas s'en prendre une. Non, il peut pas s'en prendre une.
Allez, un. Oh, raté. Raté. Cours. Eh ben voilà. Allez hop. Ça marche une fois sur deux ce truc. C'est très désagréable par contre ça. C'était nul. Tu as été... Ouais j'ai compris. Calme-toi. C'était nul. Oh le combat de nul quoi. Oh non vraiment. Oh non. Chargé. Je me suis trompé de save. Des os, pas des os. Ah mais en plus j'avais pas de... Oui. Vas-y, ça rebondit zéro sur... Voilà, c'est ça que je veux. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Et ben voilà, petit 15. Elle est où? Elle est là. Hop là. Allez, bah voilà. Allez, problème réglé. Bon, tout son bordel, je m'en fiche. Une petite potion, ça me sert à rien. Un cercle de TP. Voilà, meurtre. Je suis dans une zone. Encore. Superbe épée de choc et de collision. Genre, ça fait déjà deuxième grosse épée que je drop. 98, c'est bien, mais c'est nul en fait. C'est bien, mais c'est nul. Oui, je pense que ça résume pas mal. Je peux transporter 3000 maintenant. Et je suis à fond dans toutes mes stats. Si ce n'est que j'ai une rapidité avec un bonus. Bon, ouais, c'était bien gentil, mec, mais on va... je vais rester là-dessus pour le moment. Voilà. Ok, je reviens au début. Très bien. Pour le moment, rien de bien ouf. Si ce n'est que je me suis vu mourir au moins 2-3 fois. Et je suis mort. Ah. Allez. Allez, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est l'énigme? Il y a des faisceaux. Et il y a des piédestaux. Faut aller chercher des trucs. Très bien. Me reviens. Merci. Ah, je joue. Bon, par contre, non, le chakram c'est nul pour ce genre de pour ce cas-là précis. Aïe. Voilà. Ce genre de cas, c'est un petit peu inutile. Je récupère donc un bignou qui est au-dessus. Au-dessus, très bien. Ouais. Oh, il est au-dessus et puis c'est un labyrinthe. Mais au secours. Oh, encore un chakram. Celui-ci a l'air un peu mieux. Mais je trouve que ça en fait. Étourdir de... Ah. Bah écoutez, je prends l'étourdissement. Je fais une petite collection de chakrams. Why not après tout. Là y'a rien. CV. Voilà, excusez-moi. Ouf, et tu vas dire que c'est pas super ouf au final. Oh, c'est beau quand même, tant de style. Oh non, il m'a ouvert la porte. Voilà. Oh non, il y a des portes partout. Mais au secours. Ah, plaque de pression. Faisons attention. Voilà. Ah.
trop. À droite. Un petit peu trop à gauche. Voilà. Ça ouvre une porte. Là, il y a une vague de pression. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Putain. Qui c'est qui m'a touché? C'est qui m'a touché? Je voulais faire du mal. Clé idole bleue de la liche. Hein? Hein? Ça marche pas. Ça marche pas, je suis obligé de passer. Un rayon sentinelle est désactivé au nord. Hein? D'accord. D'accord, d'accord. Si tu le dis, le jeu, je te crois. Donc ensuite, oui, l'idole. Ça me fait peur à chaque fois, j'ai l'impression que je perds. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça j'ai peur. Ça j'ai très très peur. Alors ça c'est salaud. Vraiment que ça s'arrête. Ah c'était le rayon. Ok. Je dois un truc qui me plaît guère. Qu'est-ce que c'est ça? Holy sh... Encore une grosse arme. Alors attendez, attendez. Voilà. Ok. Ok. En douceur. En douceur, en douceur, en douceur. Qu'est-ce que j'ai activé? Qu'est-ce que j'ai activé? J'ai activé un truc. Il y a un truc qui a été activé. Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Mais au secours. Ah bah ils sont morts. Et je vous jure, j'ai pas fait exprès. Je vous jure, j'ai vraiment pas fait exprès. Ah, je peux pas détruire ça. Très bien. Aïe. Et là, si je... Ouais, ok. Ok, ok. J'ai eu énormément de chance. Pour ne pas dire beaucoup trop. Utiliser une petite potion. Ah, je me trouve à chaque fois horrible. Donc là, l'étage, pour aller récupérer l'idole. Ouais. Les magiciens. Mais au secours. Ok, utilisons le réarme. Je suis mort, mais putain. Saleté. Bon, là on se met une vraie arme. Voilà. T'as compris. Voilà. Ça, c'est ce qu'on veut. Ça, c'est ce que je veux voir. Je vais mourir. Voilà, deux potions. Il y a un mec qui ouvre la porte, normalement. Toi, tu meurs. Toi, tu meurs. Toi, tu meurs. Voilà. Voilà, comme ça, on est bien. Au moins, je suis sûr de vous avoir. Là, il y a quelque chose. On s'en fiche. Là, je sais qu'il doit y en avoir encore deux. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ça. Voilà. Évidemment. 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 Voilà. Merci, bonsoir. Je l'ai vu. Oh, je les attends, hein. Voilà. Et un. Le deuxième. J'ai utilisé toutes mes potions. Mais au secours. Au secours, aidez-moi. Il est où le magicien? Il y a encore des... J'ai pas appuyé sur la touche 1. Je déteste les claviers mécaniques. Sachez-le. Un poil trop sensible. Eh bah. Ah, eh bah voilà. Ah, oh bah tiens. Eh bah tiens. Eh bah tiens. Eh bah tiens. Mon ennemi favori.
C'est faux. Oh là là, mais au secours. Oh là, mais au secours, mais aidez-moi. Il est où? Il est là. Mais... Ah, ah, j'en ai marre. Je sais qui est là. Allez, ramène-toi. Voilà. Bouh, évidemment, évidemment. Et le sort qui se recharge pas assez vite. Ouais, ouais, ça c'est le nouvel ennemi que je déteste. C'est... Non, je ne l'apprécie pas. Et il résiste en plus. Il résiste fort à ma charge. Ce qui est pas ouf. Du coup. Voilà. Non mais meurs. Meurs toi. Meurs. Même pas une potion. Rien du tout. Arnaque. Oui, 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 oui. Alors attends, toi. Toi. Toi, t'es dangereux. Aïe. Aïe. Allez. 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 Meurs, meurs, meurs. Voilà. Ensuite, changeons de plan. Revenons dans la salle. Je suis quoi? Je suis épuisé. C'est une blague. J'ai la main qui tremble. Au secours. Allez-vous. Au secours. Mais je suis teubé. Alors là, l'exemple de la teubrie, elle est là. Elle est devant vous. Ne la cherchez pas plus loin. Mais comment? Je suis passé à côté. Quelle arnaque. Quelle arnaque. Quelle arnaque. Ouf, il se l'est bien mangé. Voilà. Un problème de réglé. T'as intérêt à me donner toutes ces potions. T'avais vraiment intérêt à me la donner. Ah, l'idole. Bien. J'ai plus de potions. Je vais mourir. Voilà. Et maintenant il se passe quoi? C'est quoi l'arnaque? Je vais revenir à une arme classique. Elle est là, l'arnaque. Oui, hein. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, potion. Un levier. Deux leviers. La suite. On monte. On continue. Je vais faire une sauvegarde aussi. Tiens. Ça c'est pas fini, étage 4. Mais au secours. Plein de potions, merci. Allez, on se dit que c'est la fin. S'il te plaît, le jeu. Mais non, mais au secours. Je l'ai vu. Oh là là. Ah mais j'ai zéro le temps. Ah comment c'est tendu. Ah je suis tendu là. Bon, allez. Merde. Ah je l'ai vu. Je l'ai tenté. Je l'ai tenté. Je l'ai tenté. Je l'attends pas. Là, je l'attends pas. Zéro, je l'attends. Attends. Oui. Ah, ça sent le combat de boss.
C'est tellement le combat de boss. C'est la fin. C'est tellement le combat de boss que... Oh. Ah bah voilà, tiens. Je le savais, je le voyais. Bon. Hop, ça c'est fait. Ensuite. Quoi? Ah, ils essayent de me déposer mon arme. Alors ça, c'est une technique intéressante. Oh, what the... Attends, il y a un truc qui se passe là que j'aime pas trop. Voilà. Toi, tu meurs. Il y en a un dernier. Il est où? Il est là. Monte. Mais il y a une boule de feu qui vient d'où, bordel de merde? Elle vient d'où, cette boule de feu? Là, il y a un truc. Je l'ai vu. J'ai vu de la fumée. Faut que je descende là. Vraiment. J'ai peur. Au secours. Ok. Ok, ok. Alors, un coffre. Potion. Parfait. Un seul coffre. Ok, ok. Encore une zone. Ouh là là. Ouh. Alors lui, je l'aime pas. Je vais même pas réfléchir. Ouh, j'aime pas ça. Ouh, j'aime pas ces sorts. Ouh, j'ai pas aimé ces sorts. Il est où? Il est là. Yes. Bon, c'est un problème d'orgueil. Qu'est-ce que c'est que ça? Bâton de force de la nature. Mm-hmm. Pas de coffre. Rien. Ah, c'est la bonne cette fois. Hop. Hop. Nom de Dieu. Ok, alors ça par contre, je m'y attendais pas. Vous l'avez pas vu, mais j'ai flippé. Quoi? Mais what? Des murs magiques. Oh non, qu'est-ce que... Ok, j'en ai désactivé un. Oh non, ça va être horrible. Oh non, ça va être horrible. Comment? Quelle fin? Je flippe parce que je sais qu'à tout moment, une action et je meurs. Ça le réactive, ok. C'est lent. Va plus vite, je t'en prie. Ça passe. Faites que ça passe, s'il vous plaît. Ouais, ça peut passer. Il en reste un seul. Encore. Voilà. Ok. Oh non, sûrement pas. Oh mais c'est sûr. Oh non. Attendez, génie. J'ai une idée. L'idée de génie. Qu'est-ce que... Sors-toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Je crois que ça l'a pas tué. Le rayon l'a pas tué. Je te promets. J'ai pas bien vu assez loin dans le jeu. Vas-y. Oui. C'était quel bouton? Il en reste un là. Il en reste un là. Ok, parfait. C'est fait. Faut que j'éteigne ça. Ok, c'est bon. Il y en a un autre là. Vas-y, viens. C'est ça la technique, je le sais. Je vais essayer de l'amener maintenant. Allez, viens, venez.
à essayer de venir maintenant. Voilà, déjà un de moins, deux de moins, parfait. Ah, je joue avec, trop bien. Qu'est-ce que c'est? Il y a un truc là. Un coffre. Ok. Bon, je peux toucher. Je sais que c'est la fin. Ah bah oui. Mais... En même temps, je t'ai pas vu. Allez! Faux char de l'oubli! Yes! Oh fuck. Au nom de la puissance des ténèbres et de la tradition nécromancienne qui coule dans mon sang, je vous ordonne de faire disparaître cet être de ce monde. Oh! Oh, attendez, c'est moi qui fais ça. Par contre, j'aimerais éviter de mourir. J'ai pas bien compris. Attendez, on va la refaire. J'ai le fauchard de... Ok. J'ai ça. Ensuite. Au nom de la puissance des... Ouais, très bien. J'ai une barre, ok. Faut que je la recharge, c'est ça? Je comprends pas. Il y a un truc que je comprends pas. Alors j'ai fait une ellipse, mais j'ai compris comment ça marche. Vous allez voir. C'est un tout petit peu compliqué. Voilà, il faut juste que je me positionne près d'un ennemi et c'est bon, ça tire. Faut vraiment, vraiment être près d'un ennemi, sinon ça ne marche pas. Je vais faire attention à ma vie. Donc, vous le voyez juste là, j'ai ma barre de mana qui se recharge avec ces pierres bleues. C'est pour la recharge de mana. J'ai compris, et j'ai 250 de charge. Voilà, donc tous ces piliers qu'on a vus, maintenant ils servent à quelque chose. Et je peux détruire les ghouls maintenant. Le seul défaut de cette arme, c'est qu'il faut absolument, et vraiment absolument, un ennemi à portée. Sinon, ça ne sert à rien. Au moins, j'ai compris ça. Et on va pouvoir avancer un tout petit peu plus. Ça baisse beaucoup. Et vraiment, et à partir du moment, par contre, les pierres là ne sont pas infinies en termes de régène. Donc, dès que j'ai plus de vie, dès que j'ai plus de charge, il n'y a plus de charge. Par contre, c'est une arme qui fonctionne très très bien. C'est cool. C'est une arme que j'ai beaucoup aimée. J'ai officiellement une arme ultra pétée. Est-ce que je peux voir? Ok, d'accord. J'ai failli perdre des armes et des armures. Je suis à 57 de dégâts. Parfait. Ça me convient. J'aimerais juste éviter de me faire mal. Et de mourir. Ouais. Faut vraiment que je fasse très très attention. Je suis officiellement avec une arme ultra pétée. C'est bon, si, il y en a encore. Je reste appuyé et puis j'attends. Je fais attention à ma réserve. Je t'ai vu. Je l'ai vu. Je vous assure que je l'ai vu. C'est bon? Je tue tout le monde. Ok. Oh, ok, donc c'est la phase de boss. C'est complètement la phase de boss là. Je considère que c'est une phase de boss. C'est le boss de fin. Ça va être compliqué, je le sens. J'ai 4 potions. Je te l'accorde. La fuite des Cubas vers les enfers, grâce au téléporteur, indique qu'il ne lui reste que peu d'espoir. Mais tant qu'elle portera sa couronne et que la baguette de mort sera entre ses mains, personne ne pourra dormir en paix à Nox. Et toi, mon garçon, tu ne pourras pas retourner sur Terre tant que le sort des Cubas ne sera pas scellé. Tu dois la poursuivre dans les enfers et lui infliger une défaite absolue. Bats-toi au nom des chevaliers ardents, luttant aujourd'hui et de se tomber sur la terre des braves. Fais-le pour eux, mon garçon. Trouve Ecuba.
n'es pas le bienvenu ici. Tu n'as rien à faire dans mon domaine. Rien à faire en ces lieux. Ton ingérence dans mes affaires ne restera pas impunie. Ton âme maudite pourrira dans les enfers pour l'éternité. Il y aurait tellement à faire entrer dans ce cerveau ridiculement petit. Attrape-moi si tu peux. Eh ben, je suis mort. Ta mission, me retrouver et en finir avec moi, est dévouée à l'échec. Ta mort condamne Nox sans recours. La victoire m'est acquise. Eh ben, écoutez, sur cet écran de Game Over que se termine ce 10e épisode qui n'est pas la fin. Je pense que c'est le prochain, du coup. Mais c'est très très intéressant. On est dans les enfers. C'est assez compliqué comme session. Ah ouais, des énigmes là, j'étais pas prêt. Mais au moins, nous avons le fauchard de l'oubli, nous avons les quatre éléments. Je suis... moi, à moitié pété. À moitié pété, j'ai quand même une grosse arme magique. Et j'ai une grosse arme de corps à corps. J'espère trouver un moyen de me... bah de pouvoir réparer mon équipement, qui est rouge pour la moitié d'entre eux. Sinon, je vais passer un très très mauvais moment. Merci à tous d'avoir suivi cette session jusqu'au bout, en espérant que ça vous ait plu. Nous sommes proches de la fin, j'espère, parce que normalement, après, c'est le combat de boss final. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit like, à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à regarder le contenu, une vidéo tous les mercredis à 15h30, à me suivre sur Twitter et Instagram, où je suis le plus présent et où j'annonce les projets pour la chaîne. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour, j'espère, la fin de Nox.